Ah. C'est pour un web site ou... Oui, je vais faire ça sur mon channel Star Picture au fur et à mesure, tu vois. Donc, hein, c'est, on écrira ça sur la voiture au fur et à mesure qu'il y a. Pour l'instant, on a juste, tu sais, la première fois qu'on est venu, pris une heure de rush. On a recueilli le témoignage d'une personne. Et donc, bah, voilà, quand on revient, la porte est fermée et on s'adapte, hein, tu vois. Donc, voilà. Donc, voilà. Ça a déjà commencé en fait. J'ai filmé tout du long jusqu'à présent. Donc voilà. Tu me poses des questions alors vraiment. Comme tu veux. Déjà, donc tu sais ce qui se passe dans l'église. Hein, donc quand oui, on a parlé. Je pense que je suis assez empathique sur le. Sur cette thématique. Génial. Tu sais, il y a énormément de gens avec qui j'en parle, quoi. Tu vois, donc hein, qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait des grévistes de la faim, en fait. Tu vois, donc hein, il y a vraiment un nouveau. Ça dérange. C'est difficile, même pour un média, de se dire, va t'en vendre ce truc, quoi. Tu vois, donc hein, et donc ben voilà, là ils se sentent. Tout de suite, personne qui effectivement s'intéresse déjà à cette thématique. Génial. Déjà active dans une association dans la ville de Tours. Ouais, je viens de tourner, ouais. Ouais, je passais 20 ans là-bas. Ok. Ouais. Et donc voilà, problème aussi, Covid et tout ça, c'est compliqué. Il y a un gros problème d'héroïne, d'après ce que j'ai compris, à tourner pour le moment. C'est-à-dire de plaque tournante d'héroïne et... Ouais, il faut dissocier ça du... Bah, après, il peut y avoir des liens avec, tout est lié, hein. Avec les migrants. Tout est... Ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais certains qui sont... Bah, qui servent de mules aussi, hein. Enrôlés là-dedans. Ouais. De mules, je sais pas. C'est la Méditerranée avec... Oui, non, mais pas de la Méditerranée non plus. C'est juste que c'est une façon de faire travailler donc les sans-papiers, quoi, tu vois. Donc, hein, ils doivent traverser... Je suis pas trop courant, j'avoue que pas de problème. Je me mêle pas trop de leur vie, donc... Ok. Donc, si elles sont nées, on leur donne de l'aide sans... Génial. Poser de questions non plus. Ok. Bah, toute l'aide est bonne à prendre, hein. Toute l'aide est bonne à prendre, hein. On... dans les petites médisances, tout ça. Ok, pas de problème, positivité. Voilà. Bah, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je savais pas pourquoi je venais ici parce que finalement ça m'intéresse, mais en même temps j'ai pas envie d'être. S'ils sont en grève de la faim, j'ai pas envie de faire le voyeur et de. Bien sûr. Et de regarder des gens en souffrance sans avoir quelque chose. Si j'avais un peu de menthe, on m'a dit qu'ils cherchaient de la menthe. En tout cas, la semaine passée, quand on est rentré, c'était de l'accueil en fait, tu vois. Donc, hein, ce dont ils avaient plus besoin, c'était de discuter avec des gens et de pas se sentir abandonné, tu vois. Donc, hein, ils se sentent abandonnés depuis leur arrivée ici, à la limite, tu vois. Donc, hein, et là, bon, bah, ils font ce qu'ils peuvent pour continuer à attirer l'attention, quoi, tu vois. Donc, hein, et nous, on va les aider. On va les aider. Donc, écoute, merci pour ton témoignage. Hein, donc, envoie-moi les gens qui ont envie de venir faire de la ZIC et de s'amuser à partir de 6h tous les jours, quoi, tu vois. Donc, hein, je serai pas toujours là, mais eux, ils ont besoin, quoi. C'est toi qui organises ? Tu organises rien. Je fais passer le mot. Voilà, je fais passer le mot. C'est une initiative. C'est totalement complètement personnel. Ok. Okay, voilà. J'ai des gens qui sont déjà là pour Manuel. Il y a des gens qui sont déjà là pour m'aider, des gens qui étaient là depuis bien avant moi en termes de contact avec l'intérieur, quoi, tu vois. Donc, hein, et où je peux voir l'interview finale? Bah, ça sera sur un channel Star Picture sur YouTube. Si tu veux, je te donne l'adresse avant que tu ne partes, quoi, tu vois. Donc, hein, et tu peux diffuser. Ok, merci.